Eh bien bonjour tout le monde, et nous voici de retour déjà pour une troisième saison de Robinson's Island. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur notre bateau que nous avons fait à la saison précédente. Donc le bateau qui est amarré dans cette petite crique que je n'ai pas encore visitée. Donc voilà, l'aventure s'enchaîne tout de suite avec la saison 2. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors comme je vous l'ai dit, si vous avez suivi le dernier épisode de la saison dernière, ce coup-ci nous allons tester le mode préhistorique mode et faire un petit voyage donc dans la préhistoire, trouver des dinosaures, enfin etc. Un truc qui peut être assez sympa. Avec vraiment des paysages assez dépaysants par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc pour l'occasion, vous voyez que j'ai changé de mode, de texture pack, pardon. Donc le texture pack que j'utilise là est le John Smith, compatible avec la version 1.4.2, car nous sommes donc en cette version avec les chauves-souris, les carottes, les trucs. Que vous connaissez si vous suivez un peu l'évolution des versions. Là, on n'aura pas l'occasion de voir les carottes parce que je pense pas qu'on en ait des tonnes dans la préhistoire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour commencer l'aventure, nous allons donc nous installer sur cette île. Nous avons déjà beaucoup de ressources, de la redstone. Tiens, ça c'est magnifique parce qu'il m'en faudra. Est-ce qu'on a des diamants? Je ne me rappelle pas. On a un arc enchanté, oui, ça va pas nous servir à grand chose. Une carte, ça c'est sympa. Et comme elle a été créée ici, hein, donc on n'a pas de diamant. Donc voilà les amis, ce qu'on va commencer par faire, bien, c'est s'installer sur l'île. On va se faire une petite cabane. Une petite cabane. J'ai vu qu'il y avait des moutons, donc on va pouvoir se faire un lit rapidement. J'ai un peu d'or, du papier. Super, donc on va se faire une petite cabane. On va mettre un petit lit, comme ça on va s'ancrer directement ici. Ah mais, est-ce que je n'avais pas ramené un lit, moi? Je n'en ai pas dans mon inventaire. Je n'avais pas ramené de lit. Donc on va en faire un, c'est pas la laine qui manque. J'ai ce qu'il me faut. J'ai vu tout à l'heure qu'on avait plein de petits moutons. Donc... on va cisailler la tête des moutons. Non, on va couper la laine. On va les tondre. Est-ce que j'ai pris du bois? Oui, j'en ai pris. Alors vous allez voir, c'est assez compliqué parce que je connais pas du tout ce texture pack. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Je l'ai testé. Donc a priori, il y a tout qui doit bien s'afficher. Donc voilà, on n'aura pas de problème d'affichage, je pense, à ce coup-ci. Allez, on va se faire quelques moutons. Enfin, Ça commence mal. On va tendre quelques moutons. Voilà, il y a des squelettes qui ont pas passé la journée, là. Allez. Donc mes petits moutons, c'est bon. Allez, on va se faire un dernier. Ouais, on va tous les tendre, comme ça me fera de la laine d'avance. Parce que de toute façon, quand on aura traversé, je pense que je ferai un lit de l'autre côté. Cher. Ouais, les flèches, je pense qu'on va beaucoup s'en servir, donc c'est pas plus mal d'en récupérer quelques-unes. Allez. Et alors, on va commencer par faire une petite maison. Moi, j'aime bien ici, là, Moi, ça me paraît très bien, là. On a de l'eau, etc. Allez. Alors, la maison, comment va-t-on la faire? Je n'ai pas de cobble, donc... ça va être du bois. Le classique. Alors, ça va être une super petite maison. Alors comme d'habitude, j'utiliserai pas les haches, hein, parce que je suis un bourrin. Allez, ça suffira. C'est pas pour dormir, hein, c'est juste pour passer peu de journées, j'espère. Parce que je souhaite vraiment. Ah, j'ai fait vraiment du petit là.
Je suis un peu abusé. Donc oui, je veux juste rester ici le temps de trouver du diamant en fait, pour pouvoir faire notre portail dimensionnel. Pour pouvoir... non, ça c'est pas ça. Pour pouvoir retourner dans le passé et découvrir le monde des dinosaures. J'espère qu'on va vite... vite en arriver là. Allez, on va monter les murs. On a le four. Oups, ça c'était un peu loin. On mettra un petit lit là dans le coin. Hein, vraiment la maison très spartiate. On va faire un toit très très bas. C'est vraiment la maison à l'arrache. Hein. Je pense que de tout ce que j'ai fait, ça doit être la pire. Hein. Et pourtant, j'ai fait vraiment des trucs calamiteux. Hop. Voilà. C'est vraiment pour faire style. Allez, je me suis appliqué, j'ai essayé de faire quelque chose de beau. Hein. Voilà. On pourrait pas dire, ouais, il a fait tout pourri. Non, j'ai mis un petit toit en pierre. Voilà, quelle honte. Et je joue à ça depuis le début. Eh ben, on dirait pas. Hop. Voilà, la porte. Il reste plus qu'à faire le lit. Tac, tac, tac. Où est la laine? Ouais, je m'en sors plus. Tac, tac, tac. Un petit lit, hop, qu'on va placer. Ça va être compliqué, voilà. Voilà, la maison est prête. Il reste plus qu'à y mettre un peu de lumière. Hop, là, là. Et voilà, la maison est prête. Allez, un dernier petit truc pour la route. Voilà, un bon petit coffre, ça fait pas de mal. J'ai vraiment pas beaucoup de torches par contre, hein. Il faudra vite que j'en fasse. Parce que on va aller miner. Voilà. Alors j'espère que ça va être rapide, qu'on n'aura pas à trop galérer longtemps à chercher les ressources dont on a besoin. Alors, les amis, ce qu'on va faire, c'est que j'ai beaucoup de bois. Voilà. On va se faire un ponton, si c'est pas beau. Voilà, avec la petite musique là qui commence. Ah, j'adore la petite musique de Minecraft. Voilà, un petit ponton là, si c'est pas bien. Ouais, vraiment le mec qui a envie de s'installer ici. Allez. Hop, une torche. Ça sert vraiment à rien, mais bon. J'aime bien les trucs qui servent à rien. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? De la nourriture. Hop, on va vite faire cuire ça. Donc j'ai trois côtelettes grillées, ça je prends. J'ai un peu de charbon, super pour faire des torches. Dans le four, est-ce que j'ai du charbon? Non. Alors, on a 12. Si je mets deux charbons, ça va suffire. Donc ça cuit, on s'en occupe plus. Alors, il me faut du bâton que j'ai ici. Hop. Et nous allons faire les torches que j'aurais pu faire sans venir là, mais bon, c'est l'habitude. Donc, on a un stack de torches. C'est génial. Ça, c'est quoi? Des leviers, 30 leviers. Quand est-ce que j'ai fait ça? On n'a pas besoin. Je vais laisser le fer ici. Des fois que je le perde lors de mes explorations. Je range ça, le bois, hop, j'ai pas besoin de temps, la TNT, on s'en fout, la laine, je la stocke ici. Un peu de viande rôtie ou avariée, à chaque fois je me mélange. Le briquet, on en a pas besoin. Les barrières, je m'en fous, ça aussi et ça aussi, voilà. Je garde de la bouse, de la cobble, pourquoi pas, ça. C'est du too many items. Eh oui. Ça, c'est j'avais laissé traîner des pommes. Ah non, c'est pas du too many items. Non, non, non. C'est ça, c'est quand j'avais crafté le bateau. Je me suis payé tellement, tellement d'arbres que les pommes, forcément, j'en ai récupéré un sacré stock. Bah, c'est pas plus mal. La nuit est en train de tomber. Où en sont mes côtelettes? Pas encore. Je vais récupérer donc.
J'ai pas beaucoup d'outils, hein, de réserve. Je vais me faire. Je ferai des outils, hein, par la suite. On va réparer ça. Hop. Ouais, en fait, ouais, que je fasse comme ça, celle-là est bonne. Voilà. On est équipé. J'ai mes torches. J'ai ma bouffe. Ah, par contre, j'ai gardé les pommes. J'ai une épée. Mon armure. C'est magnifique. On est ready. Ready, ready. 12 côtelettes. Bon, là, j'en ai 3, moi. Allez, je vais en prendre la moitié. Hop. Et je vais mettre le reste au coffre. Ne prenons pas de risques. Allez, voilà. 6 côtelettes, ça ira. Donc, il fait nuit. Première chose à faire pour ne pas me faire avoir, ça va être de dormir. Hein, cet épisode, c'est les préparatifs, hein, de la saison. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas le grand épisode comme on en aura, je pense, par la suite, des bien palpitants. Là, on va juste aller chercher du diamant en vitesse. Alors, j'ai pas fait de pelle. Moi, ouais, ça va, j'en aurais pas besoin. J'ai des pioches en fer, hein, ouais. Ouais. Il me reste une pioche en fer, ça sera pour le diamant, si j'en trouve. Mes prochaines pioches, ça sera en pierre. Allez. Parce que je n'ai pas de pioche en diamant. Alors, première étape, descendre tout en bas. Mais décidément, il y a de la bouse. Alors, en général, je suis assez verni, moi, sur les diamants. Hein. J'ai pas souvenir d'avoir trop galéré des heures et des heures. Donc, en plus, on a l'air chanceux. Parce que vu le bruit qu'on vient d'entendre, il doit y avoir une caverne non loin d'ici. Non, mais c'est pas vrai, ça. Au moment où je dis ça, je tombe dans la caverne. Non, je vous dis, franchement, je suis verni, moi. Bon, je vais marquer la sortie. Ah, c'est vraiment la chance du débutant, ça. Allez, un peu de fer, ça fait jamais de mal. Wow. Il y a du monde. Eh bien, les amis, j'ai failli mourir d'entrée. Ça aurait été assez noob, noobesque. Méchant. Donc, on vient de voir le skin de nos amis les creepers. Ouais, pourquoi pas. C'est assez bizarre comme skin. Alors, allez, je suis tombé. Bon, on s'en fout, vous me direz. L'idée là, c'est d'aller le plus profond possible. Donc, j'ai pas à creuser, c'est pas plus mal. Est-ce que ça descend? Non. On arrive au bout. Là, on a un peu de fer. Moi, je récupère. Parce que plus j'aurai de fer, mieux je pourrai m'équiper. Donc je pense que là, j'ai de quoi faire des pioches en fer plutôt que des pioches en pierre. Ouais, ça a pas l'air. À mon avis, ça doit être bouché là. Ah non. Oh, magnifique. Oh, mazette, ça descend. Hein. Là, j'ai un peu abusé. Oh, mais ça descend très profond, cette histoire. Là, je pense qu'on vient de gagner un temps, mais on vient de gagner vraiment beaucoup de temps. Hein. Je vous dis, ne pas avoir à miner tout ça pour descendre. En plus, à mon avis,
C'est bien parti pour que je trouve du diamant, toute cette affaire. Ça sera assez rigolo que dès le premier épisode, je trouve du diamant. Ça serait du jamais vu. Je pense qu'on va se faire un épisode de vraiment une demi-heure maximum, hein. On va essayer de faire quand même assez court. Voilà. Alors j'avais pas tourné d'épisode là depuis un petit moment, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que mon ordinateur, mon petit PC, on est arrivé au bout. Bah, il était fatigué en fait, hein, et il avait plus envie de mettre des beaux texture packs, de mettre des beaux mods. Ça laguait un peu pendant que je filmais, donc ça m'avait un peu saoulé tout ça. Je pouvais pas jouer tranquillement à Battlefield, parce que j'étais en qualité moyenne. Je pouvais pas filmer ça, il y avait pas moyen de filmer du Battlefield. Donc j'ai un peu remonté tout ça, parce que j'avais quand même un bon proc. Donc j'ai pas eu à trop investir dans du matériel, mais je suis passé à un petit 16 Go de RAM, c'est pas énorme, hein. Mais bon, j'allais pas mettre des fortunes non plus. Mais ça a largement suffi à rebooster tout ça. Et maintenant, je peux enfin jouer en ultra à Battlefield tout en filmant. Donc, je vous dis pas comme c'est plus fluide pour Minecraft. C'est le jour et la nuit. Alors, ne connaissant pas très bien ce texture pack, voilà, ça c'est de la bed. Ça, c'est de la red. Oh là là. Alors, moi, en général, quand il y a beaucoup de minerais différents côte à côte, c'est bon signe. Alors, j'ai beaucoup de mal à reconnaître la bed. Waouh. Allez, donc, on est arrivé tout en bas. Enfin, donc, franchement, c'est excellent parce que oui, je pose une torche pour l'enlever de suite. C'est excellent parce que je pensais pas faire aussi vite. Alors par contre en torche, j'en ai pas des centaines. Donc on va essayer d'économiser. Donc je ferai probablement une mine optimisée si ça se trouve, mais non, toi, je vais te mettre ici. Mais là, pour l'instant, je vais faire la technique du 8 par 8. 1, 2, 3, 4. Je sais plus compter. On refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore deux blocs. 7 et 8. Alors, de quel côté je vais partir? Non, on va partir de ce côté parce que il y avait beaucoup de minerais différents. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais, j'aime bien faire comme ça, moi. C'est quoi ça? C'est du charbon. Ouais. J'aime bien me faire des 8 par 8 pour commencer. 1, 2. J'entends des drôles de bruits. Franchement, c'est flippant. Oh là là. Et maintenant, il y a la musique en plus. J'espère que je suis pas à côté d'un donjon. Non, pas à cette profondeur. Là, j'ai un peu débordé. Nous disons 1, 2, 6, 7 et 8. Ah non. Oh, j'ai le compas dans l'œil. Voilà. On va fermer la boucle. Et on va casser tout ça et on va trouver notre premier diamant. Non. Franchement, c'est champagne là, si je trouve du charbon aussi vite. Ah d'accord, ça c'est du gravier. Je croyais que c'est de la dirt. Eh ben j'aurais dû me faire une pelle, les amis, hein. Oh là là.
Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Mais c'est pas vrai ça. Qui m'a foutu de là? Ah, ça c'est de la dirt au-dessus. Qui m'a foutu du gravier ici là? Oh, j'ai pas que ça à faire moi, j'ai des diamants à trouver. Bon, c'est un super mauvais spot en fait. Regardez, il n'y a que de la dirt. Là, j'ai vraiment pioché au mauvais endroit. Allez, on va faire la technique classique. On va se faire un tout droit. Et après, je piocherai sur les côtés. Franchement, si c'est un poil trop long, au pire, on avancera un peu. C'est pas la peine de s'embêter avec du minage dès la première partie. Donc voilà. On accélérera un peu toute cette partie. Ou pas, hein. Si ça se trouve, je vais en trouver tout de suite. On va mettre les torches. Clac. Alors, 1, 2, 3, là. 1, 2, 3, là. Non, ça fait 4. Non, c'est bon. Allez. Alors, j'ai déjà paumé une pioche. Mince, j'ai loupé mon échange. L'autre, je la garde. C'est au point où elle en est. Ça vaut vraiment pas le coup de la réparer, mais que voulez-vous? Je peux pas m'en empêcher. Voilà. Il y a du fer. On va se faire un four d'ici peu. Il y a de l'eau pas loin d'ici, on dirait. Merde, c'est pas de l'eau. C'était pas de l'eau. D'accord. Bon, ben on va partir de l'autre côté plutôt, hein. C'est pas grave. Et c'est là qu'il y a de la lave de l'autre côté. En fait, j'ai de la lave partout. Dégoûté. Bon, notre petit Robinson, hein, il s'en fait des mines. On retombe sur de la dirt. Je vais éclairer pour vous, les amis. Ah, sinon, c'est pas très marrant si c'est trop obscur. En général, je trouve facilement du diamant. Hein. C'est l'or que j'ai du mal à trouver. Et là, sur iPad, parce que je joue aussi sur iPad, des fois, je m'éclate un peu. Sur iPad, ils ont mis les générateurs à Nether. Et pour les activer, enfin pour les crafter, on a besoin d'or. J'ai passé des heures et des heures et des heures. En fait, il faut créer 4 blocs d'or. Et ces 4 blocs, ben, à chaque fois, c'est 9 lingots. Donc voilà. Alors j'étais tout content, là, au milieu de mes maisons, j'avais construit le portail. Je m'étais dit, ouais, c'est génial, je vais pouvoir aller dans le Nether. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. En fait, quand le portail est activé, en fait, ça ouvre une... Ça ouvre comme un portail vers le Nether et en fait ça transforme, enfin ça importe une grande tour en obsidienne. Elle se téléporte presque dans le monde et elle remplace tout ce qui est sur sa place et ça, elle grandit au fur et à mesure. C'est vraiment une très grande construction. Mais cette construction, ben moi je l'avais générée au milieu de mes constructions. Ça m'a démoli une maison. En fait, j'étais un peu dégoûté. Mais bon, ça va, c'était amusant quand même. Et alors, sur quoi je suis tombé là? Oh là là! Oh mais c'est magnifique, en 25 minutes j'ai réussi à trouver du diamant. Non mais là, c'est pas la classe, hein? Et voilà.
Ah, franchement là, oh là là. Ah, je suis trop trop content. On trouve du diamant en claquant des doigts. Presque je me demande si c'est pas de plus en plus facile de trouver du diamant dans Minecraft. Parce que je trouve qu'on en trouve facilement quand même. Je récupère un peu de redstone parce que j'en aurais besoin aussi. Donc tant que j'y suis, j'en prends. Alors vraiment le diamant, je suis trop content. Bien. Bon, les amis, nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire le portail vers la dimension donc des dinosaures. C'est quand même excellent. Je me suis paumé, c'est par là. Donc, il ne nous reste plus qu'à remonter. On va en terminer là de toute façon avec cet épisode. Hop, un peu de fer pour la route. On va terminer là, là c'est mon carré. Voilà. Et là, dès le prochain épisode, dès le deuxième épisode, bien nous pourrons faire nos valises et partir vers ce monde inconnu qui nous appelle, qui nous attend. Ce monde des dinosaures. Franchement, le noob que je suis va se faire démonter sa gueule, mais que voulez-vous? J'ai signé. Bon, c'est pas comme si je manquais de cobble. Bon, c'est pas très esthétique de faire ça. Mais bon, j'ai passé tellement de temps à creuser. Maintenant, je suis fatigué, je veux rentrer. C'est pas par là. Allons-y. Ça va, pas de creeper, non, c'est bon, on me fout la paix, merci. Alors, bon, on va faire pareil. Hop. Non, on peut pas. D'accord, c'est par là. Et voilà. Bon, je récupère la torche, c'est pas la fin du monde. On reviendra pas de toute façon. Tiens, il fait nuit. Hop, à la maison. Eh bien, nous avons 4 diamants. Ça nous permettra de faire accessoirement 4 portails. Moi, je pense que là, on en a largement assez pour l'aventure. Oui. Oh, c'est quoi ce skin? Ah, m'a tapé le saloupio. Allez, on va se le faire. Mince, il y a des squelettes. Ouh là là, je vais pas mourir ici quand même. Il vient de me tuer chez moi. La prochaine fois, je mettrai des fenêtres. Hein. Hop, allez, on ferme la porte. Je vais pas passer la nuit, moi. Non, je sais plus ce que je disais. Allez, je vais dormir. Voilà. Donc, on a de quoi faire 4 portails. Donc, c'est magnifique. La prochaine fois, on partira à l'aventure. Il fait jour. Il ne nous reste plus qu'à aller au bateau, faire nos bagages. On ira se mettre en hauteur pour faire le portail parce que c'est un peu buggé quand même. J'ai pas envie d'apparaître dans le sol et de mourir. J'aime plus. Donc voilà. Les amis, ce premier épisode, je pense, s'est quand même bien déroulé. Je suis vraiment content d'avoir passé si vite cette phase de minage pour trouver du diamant. On l'a trouvé tout de suite, donc c'est génial. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour le prochain épisode. Et sur ce, bah, bonne journée à tous. Bye bye.